Bonjour à tous. Il y a sûrement des habitudes de vie que vous avez laissées tomber, que vous avez abandonnées, mais que vous avez pratiquées pendant des années et que vous avez du coup complètement oubliées. Pour ma part, c'est la conduite. Alors je sais encore conduire, mais je n'ai plus de voiture depuis pas mal d'années maintenant. Et du coup, j'ai plus cette habitude que j'ai eue pendant de longues années, c'est de me mettre au volant de ma voiture et de partir une semaine, un week-end, quelque part, sans rien dire à personne, juste pour savourer la liberté. Parce que ça, c'est un truc exceptionnel. Enfin, pour moi, c'était exceptionnel, c'est-à-dire de mettre au volant en me disant « Waouh, je vais aller au soleil, dans le sud de la France, c'était souvent mes destinations, et là, eh bien, il n'y a personne qui va savoir où je suis. » Et du coup, en plus, je vais avoir la liberté totale, liberté de m'arrêter en cours de route, liberté même de changer d'itinéraire, liberté de changer ma destination et de ne pas aller là où j'avais prévu initialement, mais complètement ailleurs. Donc ça, cette liberté, donc dans cet état-là, j'étais complètement dégagée aussi de toutes les contraintes professionnelles. L'esprit libre, c'était vraiment quelque chose de super important pour moi et je le faisais régulièrement. Depuis que j'ai plus de voiture, je pars encore en vacances, mais je prends l'avion pour partir en Corse. C'est pas du tout les mêmes sensations. Et cette semaine, j'avais besoin d'aller voir un thérapeute quantique. Donc, je suis allée dans une agence de location louer une voiture. Et là, quand je me suis retrouvée au volant de cette voiture en me disant « j'ai 600, 700 km à effectuer dans ma journée », je me suis dit, waouh, ça y est, ça me rappelle, ça m'a reconnecté à ces souvenirs d'escapade. Et j'ai ressenti à nouveau le plaisir de la liberté et de me dire, voilà, aujourd'hui c'est une parenthèse dans ma vie, je ne vais pas travailler de la journée, je ne vais pas aller voir ce qui se passe sur ma chaîne YouTube, ni sur Facebook, je vais profiter du moment. Et c'est vraiment ce qui s'est passé, j'ai savouré le paysage, je me suis arrêtée plusieurs fois pour regarder les montagnes, pour regarder le soleil sur les montagnes, pour sentir aussi ce soleil chaud me réchauffer. Voyez, c'est des plaisirs simples de la vie et finalement, c'est un plaisir dont je me prive en n'ayant plus de voiture. Donc je me suis dit, waouh, il y a sûrement plein d'autres choses que j'ai faites, que j'ai apprécié de faire, puis j'ai évolué, j'ai changé de vie et ces choses-là, je ne les fais peut-être plus. Donc vous, quelle est cette chose, quelle est cette habitude que vous aviez, que vous avez laissé tomber et ça va vous demander sans doute un effort de mémoire pour vous souvenir de cette super habitude que vous aviez, qui vous enrichissait, qui vous faisait plaisir. Donc je vous laisse réfléchir un petit peu. Alors, qu'est-ce que vous avez oublié de faire pendant ces derniers mois, pendant ces dernières années, qu'est-ce que vous ne savourez plus notamment? J'espère qu'une fois que vous aurez retrouvé une habitude oubliée, vous allez la repratiquer, peut-être une fois de temps en temps, mais ça va vous reconnecter à peut-être de la liberté comme moi, peut-être du plaisir, peut-être plein d'autres sensations. Ça va vous rendre plus vivant aussi. Parce que vous allez renouer avec des émotions agréables, avec peut-être la joie, avec du plaisir. En tout cas, je vous souhaite que ça vous fasse comme moi. Moi, cette escapade en voiture, ça a été un réel bain de jouvence. J'attends vos réactions. Dites-moi à quoi ça vous fait penser. Évidemment, je vous propose de vous abonner à ma chaîne YouTube, de visiter le blog des audacieux, http://www.motivationpositive.com, d'aimer ma page Facebook Motivation Positive. Et puis comme d'habitude, je vous dis, prenez soin de vous et je vous salue. Au revoir.